Le quiz de Patrice Carmouze. Alors, un quiz un peu particulier aujourd'hui parce que lié à la formidable exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui à Metz, au Centre Pompidou de Metz, consacré au paparazzi et dont RTL est partenaire. Oui. Il faut dire Metz. Si on dit Metz, oui. Le vin, comme je vais pas vous faire... Comme le vin de Metz. Voilà. C'est ça. Sinon, nous qui sommes de l'Est. C'est vrai. Voilà. Mais oui, nous, on est du Sud-Ouest, donc on en sait toutes les lettres. Alors, on voit, il y a 600 œuvres qui sont exposées. Alors, c'est d'ailleurs... On appelle ça des œuvres. Oui, parce qu'il y a à la fois des photos de paparazzi, il y a aussi des œuvres d'artistes qui justement interrogent sur les rapports qui se tissent entre eux, les photographes et leurs proies. Alors, c'est assez amusant parce que c'est des rapports assez durs, difficiles, entre l'attirance et la haine. Alors, on voit beaucoup comme ça de doigts tendus, on voit beaucoup de poings comme ça, on voit beaucoup de mains qui cachent les visages, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, c'est une interrogation, évidemment, sur cette société de transparence qui se profile de plus en plus, notamment avec l'arrivée des smartphones. Alors, allez voir cette exposition qui est assez formidable. Alors, un petit quiz sur les paparazzi. Première question assez simple, là vous allez pouvoir tous briller. Quand est-ce que le mot paparazzi est apparu? Dans Vacances romaines, dans la Dolce Vita. Dans la Dolce Vita de Verdi, en 1960, voilà. Le héros qui était interprété par Marcello Mastroianni, souvent accompagné d'un jeune photographe qui s'appelle Monsieur Paparazzo. Paparazzo, c'est un nom composé entre papalacci, les moustiques, qui sont des moustiques assez virulents comme ça, et ragazzo, le jeune garçon. Un paparazzo des paparazzi. Alors, quel est le premier couple illégitime que des photos vont montrer en train de s'embrasser? Ingrid Bergman et Rossellini? Non. Ticket, c'était pas mal. Boulet-Ville, oui. Quelle période Années 60, 61, allez. Brigitte Bardot? Non. Claudia Cardinal? Non, allez, il faut chercher un peu vers les États-Unis. Un couple mythique. Ah, quand même. JFK et Marilyn Monroe. Non. C'est Jean Gabin. Bouvier et Fitzgerald. Non, allez, un couple mythique du cinéma, quoi. Du cinéma. Liz Taylor. Oui, Liz Taylor et Richard Burton. Voilà, ils étaient en train de tourner Cléopâtre à Rome et on les voit en train de s'embrasser sur un bateau. Et ils étaient encore un couple illégitime à l'époque. Ça m'a choqué. J'ai été choqué. Non, vous avez été conçu en regardant cette photo. Une photo de Marcello Cepetti. Qui a obtenu le droit de faire construire des murs pour se protéger justement des photographes? Un chef d'État? Non. Une actrice. Brigitte Bardot. La Madrague. Exactement. Elle n'y vit plus, mais à l'époque, les photographes venaient elle s'installait dans son jardin, comme ça, donc elle a obtenu. Et à l'époque, c'est vrai que. Ça empêchait de partir les ânes. Oui. Non, il n'y avait pas encore tous les animaux. C'était juste après le mépris. Donc voilà. C'était bébé. Et à l'époque, ce qui avait d'amusant, c'était que le public était plutôt pour les. Pourquoi vous dites du mal de mon ami Brigitte? Moi j'aime bien Brigitte parce que d'abord elle défend les animaux. Ben ça c'est bien, oui. Et c'est vrai que le public était plutôt favorable aux photographes plus qu'aux stars. Si on est stars, ils ont qu'à se laisser. Enfin maintenant, les gens, c'est pire parce que les gens disent qu'ils s'en moquent de ces photos volées. On l'a vu avec l'affaire Gaillet. 70% de qui s'en intéressait. Et ça a généré, tenez-vous bien, la vente, l'histoire de Closer du président et de Julie Gaillet, ça a généré 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 32 unes de magazines. Bah, tant mieux. 2 millions de chiffres d'affaires. Vous voyez, François Hollande redresse la France. Exactement, voilà. Ah, c'est la seule courbe qu'il ait redressée jusqu'à présent. Il a redressé quelque chose. Au moins, voilà, on lui devra ça. Il est efficace. Qui a obtenu qu'un photographe ne puisse plus l'approcher à moins de 45 mètres? C'est un jugement de 1972. 72, c'est une actrice de cinéma? Non. Un acteur, alors? Non, c'est une femme politique. Pas femme politique, mais pas loin. Ah, donc elle l'épouse d'un homme politique. L'épouse d'un homme politique, Claude Pompidou. Ah oui, je pensais à elle. Non. Donc c'est pas ça. Pourtant, il y avait un photographe qui l'a harcelé, s'était installé dans une ville. Une Française? Non. Non. Enfin, française d'origine, mais... Jackie Kennedy. C'est ça. Il y a un photographe qui l'a harcelé, qui s'appelait Ron Galella. Alors, il y a eu un procès, lui réclamait plus d'un million de dollars, et elle réclamait qu'il ne puisse plus l'approcher, qu'il y a au moins 45 mètres entre elle et lui, et elle a gagné. Qui s'est fait connaître après la diffusion sur Internet en 2004 d'un sextape, la représentant dans sa plus grande intimité avec son compagnon de l'époque, et c'est d'ailleurs lui qui avait fait diffuser les images. Laure Manoudou. Ah, ça aurait pu. Non, ça c'était pas Paris Hilton. C'est la première fois qu'Internet arrive devant la concurrence la presse People. Alors, une question sur des artistes. Il y a une Suédoise dans cette exposition qui s'appelle Malina Arnerson. Et elle a mené un projet concernant les paparazzi. Lequel?
qu'est-ce qu'elle a fait avec les paparazzi? Elle-même est une ancienne photographe paparazzi, et là, elle fait une œuvre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle photographie toutes ses photos. Elle photographie les paparazzi en train de photographier, non? Non, mais c'est pas loin. Les planques. Elle a fait de la bouillie avec toutes leurs photos. Non, qu'est-ce qu'elle avait? Elle s'est mise à la place de quelque chose, de quelqu'un. De l'objectif. Non. D'un. Non. Mais on ne sait pas. Écoutez, non, monsieur, on ne sait pas. Bon, ben, eh ben, elle s'est transformée en victime de paparazzi, donc elle demandait à des paparazzi de la suivre dans tous les instants de sa vie. C'est-à-dire que comme une bête traquée. Le matin, voilà, de chez elle. Il y a des, actrices elle, qui font ça. Hein. Bon, merci, Patrice. C'est jusqu'à quand, jusqu'au 9 juin.